attention, la vidéo qui va suivre a été tournée par un adulte majeur employant un langage un poil fleuri qui pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes ou au moins foutre en l'air toute leur éducation. Salut tout le monde, ici Sonic Zone Power, plus connu sous le nom de Sonic, et aujourd'hui on se retrouve pour le 46ème épisode du Astro de Burnout Paradise pour faire des takedowns en vue à la première personne. C'est parti les enfants. Je pense qu'on va y aller. Non. Alors avec la Oval Champ et une seconde Hunter Cavalry et Hunter Oval Champ, oui c'est la même bagnole. Oui, on a bien pensé à prendre les versions améliorées de chacune d'entre elles. Donc on va prendre la Oval Champ. Mais non, les finitions or et platine, ça sert à rien. On pourrait aller comme ça. Voyons voir, il y a quoi d'autre. Ouais, qui est intéressant, ma foi. Elle me plaît comme ça. Celui qui a dit que j'avais des goûts de shot, foutez-le dehors. Tu respectes les goûts du Sonix. Non. Ouais, là elle me plaît. On y va les enfants. En plus c'est la même couleur que Criterion. Donc justement il y a des... une épreuve de takedown juste là, donc évidemment je ne peux pas y accéder. Va te faire foutre, enculé. Putain, emmerdement maximum quoi. Je vois, c'est une voie mais qui découle de l'autoroute. Ça les enfants, c'est ce qu'on appelle de la connarderie. Non, tu t'éteins pas, horloge de mes deux. Et en plus, on commence avec 25, ce qui est tout à fait parfait, ce qui fait qu'on arrêtera bâton bas. Ah, et 55. Allons-y les enfants, on y retrouve. J'espère que cette fois le chrono va pas me faire le coup de j'ai pas assez de passion sur mon disque dur, sinon je vais mal le prendre. Road Rage, atteint l'objectif de takedown pour gagner. Alors attendez, que je trouve le moyen de me basculer en vue à la première personne. C'était C je crois. Oui, c'est ça. À toi. Voilà, toi aussi tu dégages. Je dois reconnaître que c'est totalement satisfaisant de faire ça à la vue à la première personne. Alors lui, attention, je sens qu'il... Oula, je l'avais senti son piège. Tu croyais m'avoir, hein. Il a cru vouloir me niquer. Il a cru pouvoir me niquer. Mais au final, c'est moi qui l'ai niqué. Genre le mec qui se ruait sur moi et disait je vais être pulvérisé. Ils disent tout ça et à l'arrivée c'est toujours moi qui les pulvérise. Ouh, il a voulu me faire un takedown latéral sans foirer. Et voilà, takedown glide en vue à la première personne, ça respecte. Et une voiture de course, qu'est-ce que ça fout là? Rien à foutre là ça madame. Oh putain, il m'a eu. Heureusement qu'il n'y a pas de pilote à l'intérieur, parce que s'il m'avait fait un dos d'honneur, je lui en aurais mis un dans le cul, voilà. C'est fait. Putain de... Voilà, ça dégage.
envoyer. Viens là, viens là, viens. Waouh, qu'est-ce qu'il foutait là, lui, il avait rien à contre, on est là. Allez, venez, venez. Mais... Oh putain de MAU! Allez, faut que j'aille me réparer. On se dépêche, putain. Évidemment, j'ai plus de nitro, ce qui fait que je vais me ramer du cul. Putain, c'est chiant ça. Hey, il a essayé. Heureusement qu'il y a un système de réparation juste ici. Maintenant qu'on est pleinement réparé, on peut retourner leur casser la gueule. Oulala. Le petit que vous voir, le petit que vous voir. Les inexorables de mon pouvoir. Alors, je suis qu'à 7 sur 36, va falloir que je me dépêche un peu là. Par contre, la vue à la première personne, c'est pas idéal. Je pense que dès qu'on arrivera à Detailand, j'arrêterai. Oh putain, mais j'ai failli me faire défoncer par le mec en blanc là. Et il s'est fait défoncer. Viens là. Putain, c'est définitivement pas une bonne idée de faire ça. Allez, mais dépêche ton gros cul, que c'est chiant ça. Là, t'as dit trop de merde. Putain, il m'a surpris. La vue à la première personne, c'est cool, mais pour faire une épreuve de takedown, c'est juste la merde. Viens ici. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Allez, à partir de 10, et si je survis, bien entendu. Allez. J'ai dit demi-tour, connard. Putain, cette dissidence du système de direction. Il a essayé. Je pense qu'on désactive le mode la vue à la première personne parce que là c'est vraiment trop difficile pour moi et j'ai besoin de tout voir. Voilà, tu dégages. Je pense que je vais surtout rester dans cette zone. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Oh là là là, c'est qui l'a tenté? Merci pour le coup de pouce, connard. Oula, c'est que ça tente des trucs. Ça tente des trucs, mais c'est insuffisant. Voilà, je vais rester là. Dans cette allée là. Attendez. J'ai dit échappe, connard. Putain, il essaie. Allez, freine. Il essaye de me fourrer dans le cul, mon petit chinois vénéneux. Allez, je sais. Mais putain! Allez, putain, ils veulent m'avoir par le temps en fait. Mais c'est le temps qui va m'avoir en fait. Putain de merde! Évidemment, j'ai ultra mal aux côtes maintenant. Putain. Soit je me crache, soit je me fais niquer par le temps. Je sais pas ce qui se passe là aujourd'hui. Mais visiblement, mon jeu, il a décidé qu'il allait m'emmerder de toute sa puissance divine. Et bah, va te faire foutre, petit enculé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est... Non, j'irai pas par là! Et pardon pour avoir crié tout à l'heure. Et désolé de ne pas avoir marqué de... d'alerte comme quoi j'allais vous gueuler dans les oreilles.
C'était très bien marqué au tout début de vidéo, avant même l'intro. Cette vidéo a été tournée par un adulte majeur employant un langage à poil fleuri qui pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes ou au moins foutre en l'air toute votre éducation. Vous avez choisi de regarder cette vidéo, alors assumez maintenant. Voilà, ça commence bien. Par contre, ma vidéo, elle... Qu'est-ce que c'est, ma vidéo? Ma voiture, elle est lente. C'est un cauchemar, quoi. Viens là. Putain. Il se sert des cadavres des autres bagnoles, les mecs qui se suicident pour pouvoir me tuer. Viens là, toi. Évidemment, il est nécessaire quand ça ne touche pas. Voilà, tu dégages. Take down pilonnage, tu dégages. Voilà. De la nitro, merci. Du boost. Défonçage en 8 de Monsieur Grenier. Je pense que je vais aller par là. Putain, j'ai les doigts qui glissent. J'ai les doigts. Non, tu m'auras pas. Putain, pose les enfants. Putain. Ah là là, j'ai les doigts en sueur. Allez, ramenez-vous, bordel. Où est-ce qu'ils sont, ces lopettes? Ah, enfin... Oula, il attendait de me fouler dans le cul. Et il a failli réussir, l'enculé. Voilà. Tu respectes. Là, ça va être difficile, hein. Le jeu qui me met la pression avec le temps, quoi. J'ai l'impression que je gagne moins de temps maintenant. Si c'est le cas, c'est abusé. Il a tenté. Ça tente des trucs. Ma voiture, elle est lente, bordel de merde. Allez, viens là, toi. Voilà, comme ceci. Putain, mais le mec qui recule pour pouvoir me faire quelques menus dégâts. Attention, menu dégâts, plus menu dégâts, plus menu dégâts, etc. Ça peut très vite endommager la bagnole. Et du coup, ça la rend vite incontrôlable. Viens là, je te tiens. Voilà, le Hooper, il retourne dans sa grotte. Dérapage en 8. Voilà. Toi, tu viens là, tu vas me faire le plaisir de... Ouh là là, il a tenté. Et il a échoué. Il était collé au mur. Comme Spider-Man. Spider-Man. On s'en souvient tous. Wow, Titan Bus. Je le connaissais pas celui-là. Aligato Kozamasu. Tu viens de m'apprendre un truc, enfoiré. Attendez. Je crois que ce jeu essaye de m'apprendre des choses! Bonjour monsieur! Putain, vite! J'ai les doigts en sueur! Hop là, ici, je vais réparer la bagnole. Voilà, ça vient là! Oh là 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 là! Oh là, oula, c'était chaud bouillamax! Viens par là. Oh là 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 là, il a tenté. Putain, et voilà, prendre ce raccourci va me faire perdre de précieuses secondes. C'était mal foutu de ma part. Allez, ramenez-vous. Ah si, quand même, l'ordi qui prend par là, qui prend les rampes. L'ordi qui sait se montrer honnête. Il tente de me fourrer dans le cul. Ah, je pouvais rien faire. Maintenant j'ai pris mon sandwich, hein, je vais aller lui là, le premier qui vient de me dépasser. Mange ça, voilà, tous les deux. Deux d'un coup, ça fait plaisir. Par là, je te tiens, je te tiens. Mais quoi? Attendez, j'ai pas compris là. Non, tu t'éteins pas, putain de chrono. Putain, mais ils veulent m'avoir autant en fait, hein. Ici, c'est de gagner du temps, crash sur crash, pour que je me fasse niquer par le timer.
Ces enculés font tout ce qu'ils peuvent pour que je me fasse niquer par le timer. Voilà, ça, ça dégage. Ils veulent m'avoir autant, ces enfoirés. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Oula. Voilà, take dans le camionnette, ça dégage, ça respecte. Voilà, ça, ça dégage, voilà, comme ça, hein. Non, il n'y a rien. Allez, 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 allez. Il faut une opportunité qui soit pas trop risquée. Et justement, j'ai un moyen de me réparer juste devant, donc on va y aller. Et par contre, c'est chiant qu'il nous fasse ralentir comme ça. Allez, 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 on y va, on y va. Bonjour, comment allez-vous? On va y arriver, les enfants. On va y arriver. Faut juste se concentrer. Voilà, toi, tu dégages comme ça. Tu respectes un minimum quand même. Oula, ha 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 ha. Il m'est rentré dans le cul. Il s'est trompé. C'est moi qui l'ai eu. Putain, pourquoi sur le parking? Il est con, quoi. Ça tente des trucs, ça tente! J'allais faire une blague avec l'oncle, mais je me suis retenu. Bon, ça, voilà, ça c'est fait. Après, on y va, 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 on essaye de pas se faire avoir. Enfin, on se fera pas avoir cette fois-ci, toi tu dégages. Oula, c'était limite, attention, limite break. Va falloir que je me fasse pas avoir par le timer. Là, je vais me faire avoir par le timer, je sens. Je sens qu'il veuille me ken sur le timer. Viens là, toi. C'est ça, part en vacances. Tu me des souvenirs d'escalade, pourquoi pas. Oula. Merci de m'offrir une chance de me rattraper sur le timer. Allez, viens par là, toi. Toi, tu dégages, toi. Allez, toi, toi, t'es échec et mat, mon gars. Voilà. Non, et j'ai mat. En double échec et mat. Non, triple échec et mat, mon salaud. Qu'est-ce qu'il y a? Quadruple échec et mat. Quintuple échec et mat. Mais non. Mais pourquoi il a fait ça? Crétinus. Le truc il va bien me faire perdre le temps dont j'ai besoin. Allez, plus que 5 à avoir. Non, même pas en rêve. T'as essayé, tu vas payer. Voilà, le Sonix revient aux sources et ça paye. Bonjour monsieur. Seriez-vous intéressé par une livraison de patates? Waouh, purée, un petit pilonnage, je me suis fait niquer. Hein. Non, il aime pas les patates apparemment. Allez, 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 allez. Putain, évidemment, j'ai plus de nitro. Mais lui vient m'aider à en récupérer. Merci beaucoup, connard. Ah, par là, je te vois, 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 je te vois. C'est moi qui l'aurai. Tu m'as aidé, merci pour l'un. Mais ça ne veut pas dire que je te place plus haut que ton collègue dans mon estime. Voilà. Je pense qu'on va aller se cracher cordialement. Voilà, comme ceci. Waouh. Là, je me la suis pété. Hein. Ça servait à rien ce que j'ai fait, mais c'était très classe. Hein. Non, tu t'éteins pas. Ok, j'ai fait un takedown alors que je regardais même pas l'écran. Je
Je l'ai pas touché, hein. Vous avez vu, purée, deux takedown en même temps. Double kill. Attendez, moi je vais aller me cracher, hein. Je veux me cracher. Aïe, 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 putain, mon cou. Oh là là, ça fait mal. Et on a déjà plus de 2 minutes. Je m'en fous, hein, des dégâts. Hein. Dégâts critiques, si tu veux. Justement, c'est... je veux mourir, en fait. Voilà, merci. Putain, mon pauvre cou. Oh, j'ai mal. Ouais, ça tourne toujours. C'est cool. 25 victoires. On se rapproche, les enfants, on se rapproche. Et malheureusement, il n'y a plus rien, donc on va foncer. On va essayer de trouver une nouvelle spot de course. Voilà, on va sauter par ici. Oula, j'ai failli me faire ken. What the fuck? Et je vais me garer juste à côté du mec. Ah non, juste devant lui. Et je lui coupe la route. Ah, t'es bien fait pour toi, connard. Si c'était pas toi, c'était ton frère. Ah bah t'es le revoilà. Putain, mon cou, que ça fait mal. Faut vraiment que je m'achète un fauteuil gaming. Hein. Alors, voyons voir. Carte, s'il vous plaît. Non, il n'y a rien par ici, on s'en fout. Tac, 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 tac. Je descends. Je vais par là. Ah, repérer. C'est dommage qu'on puisse pas faire des... marquer l'endroit comme dans The Crew. Vous avez vu ça? Le petit sourire complètement débile. Et non, je ne ferai pas de blague sur les autistes. Oh, la même, quoi. Deuxième fois qu'il nous le fait, quoi. Loul! Par contre, on va aller changer de bagnole et en prendre une un peu plus puissante. Aujourd'hui, Sonic fait un petit retour aux sources. Hop là, on y va. Et les motos, bien sûr, on fera ça après. Alors... on va essayer avec lui, le Royal Special. L'œil du tigre, à ce qu'il paraît. Attendez, ça donne quoi en or? Ah, c'est pas mal en or. Platine, ça donne quoi? Mon cou, bordel de merde. Bof, en platine, c'est bien, mais ça fait pas le taf. D'autres comme de rayures noires. Ah ouais, quand même. Voilà, ça c'est un tigre. Ouh, il a l'air d'être bien pour les dérapages, celui-là, il me plaît. Ça regarde toujours. Oh putain, non mais vous avez vu ça, hein. Il s'est décalé au dernier moment, cet enculé. Hein. Ça va, j'ai même pas une égratignure. Ça, c'est cool. Essayer d'esquiver. Faut quand même essayer d'arriver un minimum en pleine forme. Alors, je regarde. Vite. Ok, je vois, j'ai dépassé l'embranchement. On va donc aller par ici. Oh l'enfoiré! Non, tu t'éteins pas! Putain, mais ce truc qui se met en veille, c'est chiant!
Oh putain, la parabole là, je viens juste de la remarquer. La première fois que je la remarque, honte à moi là. Là, honte à moi. Je joue à ce jeu depuis 46 épisodes, c'est la première fois que je remarque ce truc. Là, honte à moi. En tout cas, il a l'air d'être bien amorti le mal, bestiaux. On y va. Pour quelques takedowns, ouais. 38 takedowns, c'est parti les enfants. On va tâcher de pas se faire niquer d'entrée de jeu. Il arrive, il essaye. Et il est le premier à mourir. Le premier à venir et le premier à mourir. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. Oh putain de putain de putain de what? J'ai rien compris. Là, j'avoue, j'ai rien compris de ce qui vient de se passer. Oula, alors lui, d'accord, c'est un vrai tigre. Lui, c'est une... Lui, il en prend son proie. Il attaque ses proies, dès qu'elle passe à portée, il les dévore. Oula, ça m'a tenté, ça a tenté, ça tente, ça tente, ça tente. Ah, ah, ah. Aïe, 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 s'ils vont sur l'autoroute, ils sont morts. On a plus de puissance. Comme dans Taxi. Aïe aïe aïe, s'il va sur l'autoroute, il est mort. La plus de puissance. Voilà, toi tu dégages. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça vous a pas suffi la dernière fois? Toi je te vois. Bumblebee, je te vois, je te vois, je te vois. Mais d'abord on va faire passer Smoke Screen. Oula! C'était pas loin quand même. Hein. Allez, vas-y, Mégatron, je t'attends. Bonjour, monsieur. Voilà, va prendre un bain. Lol, ça me fait vraiment une bouche de tigre à l'arrière. Attendez, ça veut dire que je suis en train... Putain, je conduis un tigre qui fait du moonwalk. Yes, ça a marché. Putain, la téléportation. Je suis bison, moi. Genre, piou, piou. Waouh! D'accord, je lui ai balancé une voiture à la gueule et ça compte comme un takedown pilonnage. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais toi tu dégages déjà pour commencer. Hein. Voilà, comme ceci. Oula, ça a failli là. Donc Mégatron, où est-ce que nous en étions déjà? Rappelle-moi. Maintenant ça va être autour de Galvatron, juste présent, qui est ni plus ni moins que Mégatron, mais avec un autre nom. Ah, aïe 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 aïe. Faut que je me répare là. Allez, 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 allez. Mais dépêche-toi, bourré du cul. Putain, c'est chiant ça. Attends, mais il est où? Ok, juste à côté de moi. Non, même pas en rêve. Voilà, sinon ça m'aurait fait rater le truc. Tu m'auras pas. Voilà, maintenant on y va sur mon passage préféré. Faites gaffe les enfants parce que ce pont là c'est mon fief. Oula, 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 oula. What the fuck? Je suis en pleine forme, il me percute à peine et je me fais ken. Là j'avoue j'ai pas compris. Là j'admets volonté que j'ai pas compris un traître passage du ciel se passer. Il a tenté de me faire un vertical. Il est mignon. Par contre j'avoue sa peinture est déchirante. Voilà! Je lui ai arraché les roues. Donc je pense que nous allons repartir sur le pont. Ça recorde toujours, c'est parfait. Et si ça recorde plus, je le constate et je vais me rouler dans un emboulé, pleurer toutes les larmes de mon corps et je ferai pipi sur mon ordi parce que c'est ainsi que je manifeste mon mécontentement. Voilà, takedown camionnette. Ou plutôt takedown SUV. Hein. Voilà, voilà, ça dégage. Putain, ce moteur... Putain de merde. Je le sentais venir. Je le sentais venir. Oh putain. Oh là 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 là. Mais c'est qu'il tente des trucs lui. C'est bien de tenter des trucs, mais encore faut-il que ça fonctionne.
Mais non, t'es pas sérieux. J'ai de la chance, il y a un truc de réparation juste là. Donc on va y aller. Tout ou ourne. Heureusement j'ai tout mon temps. Bonjour monsieur. Putain. Oh merde. Heureusement que j'ai le pare-choc avant résistant. Heureusement que j'ai une bonne gueule moi. Putain, à cette vitesse j'arrive même plus à différencier les adversaires des voitures normales. Voilà, take down contact traffic, ça dégage. Dégâts critiques, quoi? Comment ça dégâts critiques? Je me suis pas crashé pourtant. Comment ça dégâts critiques? Quelqu'un peut m'expliquer? Parce que là j'avoue très volontiers que j'ai pas compris pourquoi il m'a mis dégâts critiques. Allez, on y va, on tente de rattraper notre retard. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Et hop, ça dégage. On l'a compressé, moi par le côté, lui par au-dessus. Ça dégage, on va aller voir la Ocean View Country Club. Tu dégages, toi. C'est pas pour les larbins, ici. Oh, ça aurait été trop beau que je lui fasse un pilonnage en drift. Ça, ça aurait été le summum de la classe. Le summum du talent sur Bordeaux Paradise. Bonjour toi. Putain, que j'ai mal aux mains. Enfin, j'ai pas mal aux mains. Surtout que j'ai les mains en... Putain de merde. Là j'ai fait le con, j'avoue. Allez, oh. Il prend tout son temps hein, pour se relever après. On a encore 12 à faire. Alors dépêche-toi, bordel de merde. Bientôt, je ne pourrai faire qu'une seule épreuve de takedown par vidéo. Voilà, takedown pilonnage, ça dégage. Le Sonic est en forme aujourd'hui, les enfants. Il est en forme et il a faim. Voir. Ton âme est à moi. Your soul belongs to me. I can feel your fear and I'll drink it. C'est pour ça que je préfère être un membre du corps de Sinestro, moi. Je bois la peur. Waouh! Comment je me suis retrouvé ici, moi? Là, j'admets, j'ai pas compris. J'étais à l'autre bout de la map et je me re... Bon, ok, s'ils veulent. Tant que je dégomme des gens, moi, je suis pas difficile. Putain. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Ouais, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. Un canon, hein? Ouais, je t'ai présenté ma femme, vieille canaille. C'est vrai. Et tu lui as fait du baratin? Tu lui as ramassé dans les coins et ailleurs. Et pendant que j'avais tourné le dos... Quel chameau! Vieille canaille en duo avec Momo. Voilà! Wow. Et ça touche quand même. Je pense que pour le bien de mon PC, on va arrêter. Après ce takedown que je vais lui faire à son... Il me l'a fait à ma place. Allez, on...